Et bonjour à tous, c'est Brassier, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Watch Dogs 2 pour l'épisode 14, si je me souviens bien. Alors, on va déjà faire les recherches. Alors, ce tir, relation, pilotage des véhicules. Ça, je peux pas. Oh, ça c'est truc en ligne. Ça, je peux pas. Ok. Alors, ici, et là. Hey Range, je vais bientôt arriver au troisième point là. GG mec. Au fait, tu l'as serré ta serveuse? J'emmène voir un concert jeudi prochain. Sérieux? Ouais, elle a l'air plutôt équilibrée. Pas comme... Eh, hey, je fais rien de mal. Les mains à terre, vite. Je promène juste mon chat. Aïe! Ah! Range! Range! Merde! Citara! Range répond plus! Le FBI l'a chopé! Putain, fais chier! File-moi sa dernière position! Ça sert à rien, ils vont l'embarquer! Il faut que tu termines la triangulation pour qu'on puisse le retrouver. Allez, mangue-toi! Allez, allez, mangue-toi, putain! Ah, bien sûr, c'est une nouvelle. C'est celui que je veux. Là, là. Manque un troisième point. Ok. Donc là. Et là. Il y a ce point là, là qui date là. Voilà.
C'est bon, émetteur en place. Triangulation en cours. C'est la vieille gare sur la 16e rue. Essayons de voir ce qui s'y passe. Pirate leur caméra de surveillance. Piratage en cours. Il a le syndrome Roy Orbison ou quoi, lui? Et tu vois, mon père, il disait que Roy portait des lunettes pour surmonter son trac. Bon, je vais te poser une question. Il te suffit de dire oui et tu repars d'ici en vie avec ton masque. Putain, mais c'est qui ce Roy Orbison? Si tu dis non, je garde ton masque, je t'envoie en tôle et tu restes seul avec celui que tu détestes tant voir dans la glace. Voilà le topo. Tu es membre de DedSec, on le sait. Tu as trempé dans plusieurs affaires d'État, on le sait. Et tu seras traité en tant qu'ennemi d'État, je te le garantis. Mais tu vois, tous ces éléments me laissent plusieurs options. T'es un combattant ennemi, donc tu vas prendre cher. Peut-être même finir à Guantanamo. À moins que... À moins que quoi? Que tu m'aides à accéder à DedSec. Alors Zero Days, je veux prendre l'équipe tout entière, et c'est toi qui vas m'y aider. Bon, écoute, si tu m'aides pas, je vais te briser. Alors donne-moi quelque chose. Indique-moi où chercher, des noms, des adresses. Parce que crois-moi, vaut mieux que tu m'aides ton côté. Et vous pouvez Silence pas... Je l'avais prévenu que vous lui feriez perdre son temps. Vous mettez toute l'enquête en péril. Vous n'avez rien à faire ici. Mais allez-y. Appelez votre boss. Appelez l'agent-chef Monroe, allez, tout de suite! Qu'est-ce qui se passe avec Marcus? Je sais que c'est un mec sympa, il fait simplement fausse route. Mais il pourra pas vous protéger cette fois. Le FBI va se servir de lui pour faire un exemple, c'est leur truc. C'est con. Mais toi... Toi, tu as un choix. Tu peux monter à bord du train ou de te faire écraser comme une merde. À cause de vous, tout ce qu'on a sur ce type va être irrecevable. Excusez-moi. Il semblerait que l'agent Fuentes ait des difficultés à penser sur le long terme. Vas-y, t'es libre. Et tu peux dire à tes amis que s'ils veulent que le FBI les lâche, ils n'ont qu'à venir me voir. Oui, moi! Sinon... donne pas cher de leur peau. Non. Pas touche. Il est grand temps que tu utilises tes propres yeux histoire de voir le monde tel qu'il est. T'es un grand garçon. Il faut que tu commences à montrer ta tête aux gens. Bon, ben, je vais vous laisser vous astiquer entre potes, alors. Accompagnez cet homme. Dans le calme. Merde, bande de chien! Je vais lui récupérer son masque! Wrench? Je suis là. Je vais te ramener ton masque. T'as tout vu? Ouais, c'était du tout à tout cracher. Non, Marcus, écoute, tu... T'as d'autres trucs plus importants à gérer. Non, j'en ai rien à foutre! Je te laisse pas tomber! Putain, quelle bande de hyènes! Et ils ont cru qu'on allait gober ça. Ils captent tellement pas comment on marche. Wrench a besoin de son masque, et quand l'un des nôtres a besoin de quelque chose, on lui trouve. C'est clair. Après, je piraterai leur putain de serveur pour choper les documents liés à leur projet d'extorsion. On va montrer les saloperies du FBI à tout le monde. Allez, hop, on passe là. Ah !
La garde de la 16e rue. Le masque doit être quelque part à l'intérieur. Faut que je sois plus discret. Le masque doit être quelque part à l'intérieur. Pourquoi ce grand champ de... Ah, le masque il est là. Ok. Est-ce que je peux pas y aller avec l'autre? Avec ça là déjà. C'est bon, j'ai le masque. Fais-y bien gaffe, hein. RAS, je continue. Yeah.
Non. Pas, on va attendre un peu et on refait plus au long. C'est pas compliqué, hein. Tu peux chercher, je suis pas dans le bâtiment. Oh, par contre, ils se déplacent beaucoup quand même. Je l'ai perdu. On attend juste un peu. Putain de merde. Il ne pourra pas s'échapper. Bah cherche-moi. Envoie leurs infos. Ah merde. Y'a pas que nous dans leur fichier. Ils ont des données sur tous les collectifs de hackers. Ouais, c'est leur plan. Voilà, c'est bon. Et voilà. Wrench, bouge pas mon pote, je vais te ramener ce qui t'appartient. Allez, on y go. Je suis désolé que t'aies subi tout ça, mec.
sais, toutes ces saloperies qu'a sorti Dushan. Je pourrais jamais te trahir. Tout ce qu'il veut, c'est difficile. Et je vais pas le laisser faire ça. Écoute, il a le FBI à ses ordres, il va tout faire pour nous avoir. J'ai besoin de tout le monde maintenant. Si on s'y met pas ensemble, on n'y arrivera pas. T'inquiète. Merci, Marcus. Le FBI a contraint certains hackers à leur fournir des logiciels de piratage. Ils les ont utilisés pour contourner le système judiciaire et accéder à vos données privées sans autorisation et sans vous prévenir. Le FBI a également kidnappé un membre de DedSec pour nous contraindre à travailler pour eux. Message au FBI, nous ne vivons pas dans un état policier. Vous n'êtes pas la police secrète et vous n'êtes pas au-dessus des lois. Vous ne pouvez pas transgresser la Constitution. Nous avons dévoilé votre façon d'utiliser les hackers. DedSec continuera à vous surveiller, pour le bien de tous les citoyens américains. DedSec vous a révélé la vérité. Faites-en ce que vous voulez. Mission accomplie, voilà. Voilà. Salut, Ray. Yo, Marcus. Écoute, toi et les gars, vous avez fait des trucs énormes pour la ville. Wow. J'aime pas faire des compliments, mais... Merci, Ray. Ça fait plaisir. Là, je prends le soleil sur la côte. Passe me voir quand tu seras prêt pour un gros coup. Oui, je suis sûr que ça fait mal. Bref. Bon, ouais, c'est ça pour cette vidéo. Bon, elle sera un peu courte, mais c'est pas grave. Alors, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker ma page Facebook, mon Twitter, c'est pareil. À ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner. C'est toujours plaisir. Alors, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, salut.